Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on part sur un petit vlog. Là, je suis en retard. En gros, Quantum doit voir la veto, et elle est déjà là, et moi j'ai pas encore été chercher les chevaux. Donc je suis en train de me dépêcher pour y aller. C'est bon, j'ai récupéré les deux. Donc Quantum il va voir la veto, parce qu'il coule des yeux. Et là aujourd'hui ça va mieux, bien évidemment parce qu'il y a la veto. Mais il y a quelques jours c'était pas du tout ça. Donc voilà, il va avoir la veto et Saphir, après on va aller monter en carrière dans l'écurie. Du coup je le ramène pour éviter de me faire des allers-retours. Voilà. A few moments later. Il a les yeux vers le petit cheval. Ah t'es souris ? En vrai c'est un produit qu'on lui a mis. Hein. Bon du coup ça y est, la vétérinaire est passée, donc j'ai une crème allumette dans les yeux. Donc allumette pendant une semaine, matin et soir. On a réussi plutôt à bien lui mettre, donc j'espère que ça va continuer pendant cette petite semaine. Ça devrait aller, elle a dit que même à partir de demain ça devrait normalement aller. Si c'est pas le cas je la rappellerai, mais il n'y a pas d'ulcère, il n'y a rien de spécial. Donc voilà. On va attendre que le minou ait fini de boire pour l'embarquer. J'ai préparé les affaires, j'ai mis le vent et on va aller à l'écurie pour monter. Allez, le bonnet est dans la boîte. Pendant que le piou-piou, il nous regarde partir. Je reviens après, je m'occuperai de toi. On n'est pas encore parti. Je viens de fermer la porte que je l'ai entendu faire son crottin. Je vais descendre le pont et je vais enlever ça tout de suite. Non mais Saphir. Cadeau. Et en plus, non mais t'as été hyper loin quoi. T'as fait un jeté de crottin, Minou. Vous êtes ravis d'avoir un gros plan sur le caca. Ça c'est des jambes écartées hein. Ça va mon chat? Fait chaud? Ouais il fait chaud. Ouais. Ouais ça fait bouffer par un moustique. Je comprends pas que s'il appuie comme ça je peux pas ouvrir. Saf avance. Oui. Non. Oh qu'il est chiant. Saphir avance toi. Voilà. Plus facile comme ça non? Allez. Il sait toujours pas descendre dans le vent normalement celui-là hein. Bon, vu qu'il fait chaud, je vais pas l'attacher au vent. Je vais aller dans la stalle de pansage. Ça sera un petit peu plus au frais. C'est la première fois qu'on va dans le manège. Il a eu peur de ça, du compteur. C'est un compteur, Minou. Allez, tu marches. N'importe quoi. Superstar, superstar, you can lie to. Feel the light with the stars, never lie to. Tell them all, right beside you. Shoot it up in space, a damn kid. Bottoms up, bottoms
so I did. I'm here so bright in the bottle. Cool, un petit peu moins dispo que dimanche dernier là, qu'il y a quelques jours, mais il était encore pas mal, donc je suis contente. Bon, et comme d'hab, on finit la séance par faire le tour des écuries. Ça le fait marcher un petit peu plus. C'est une micro balade après le boulot quoi. Il est au bout de sa life. C'est dur travailler minois. Il est fatigué. T'es bien. On va aller à la douche. Coucou Minou. J'arrive. Parce que tout à l'heure, j'ai eu la meilleure idée du monde de me mettre en oasis. Avant, on va quand même donner des petits bonbons au petit cheval. Tiens, paf. Ah mon Dieu, je peux pas vous décrire ce moment. Ça fout, c'est à moi. Ça va te faire du bien ça. Bon, vu qu'il fait très chaud, comme vous l'avez vu, j'ai douché Saphir et je vais en profiter pour doucher un petit peu Quantum. Comme ça, ça va continuer à l'habituer à la douche, même s'il n'y a pas de souci. Ça va pas lui faire de mal. Et là, il est demandeur que je m'occupe de lui. Alors j'avoue, j'ai pas envie de lui faire une petite séance de trail à pied. Ça faut qu'il surveille où est son bébé. Donc ça va être de la douche. Ça fait un petit arc-en-ciel. Quel boulet.
T'as bien de jouer avec l'eau. Voilà, il est vraiment martyrisé par la douche. Il bouge moins que Saphir, quoi. Bon, j'avais pas prévu, mais je vais lui faire un petit shampoing. Au petit Quantum. Quantum, regarde comment il sent bon, ce petit truc. Celui-là, il sent trop bon. Ça a l'air dubitatif, mais vraiment, tu vas sentir la pêche, l'abricot, enfin, je sais pas trop quoi, mais tu vas sentir bon. Hop! Et que ça brille, hein. Allez, on rince. Il veut pas me laisser rincer. Il veut pas me laisser rincer, le petit. Bon, j'ai nourri les garçons. Et moi, il faut que je range le vent. Et puis voilà. Bon les loulous, je vais arrêter ce vlog ici. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.